Chambre d'agriculture de la Dordogne a fait le choix de promouvoir l'émergence d'un modèle de méthanisation dit agricole et rural. C'est-à-dire que c'est une méthanisation pour les agriculteurs, par les agriculteurs. Donc l'objectif pour nous, en fait, c'est véritablement que la plus-value de la méthanisation retombe sur le monde agricole. Ça ne veut pas dire qu'on travaille tout seul, puisqu'en fait, ces unités de méthanisation sont complètement ancrées sur le territoire. Et donc, dans ce contexte-là, on cherche des accords gagnant-gagnant avec nos partenaires. Ce sont des partenaires agricoles, bien sûr, locaux, mais ce sont aussi des partenaires issus des collectivités, voire des industries agroalimentaires, mais locales, qui sont situées vraiment dans une proximité des projets de méthanisation. On a vraiment deux phases d'accompagnement, une phase d'émergence qui a plusieurs objectifs. L'objectif de la phase d'émergence, c'est de créer véritablement un collectif, parce qu'on est plutôt sur des collectifs d'agriculteurs, des agriculteurs avec des leaders, des porteurs de projets, des gens qui vont apporter de la matière, mais de construire véritablement un collectif solide. Qui permettra ensuite de passer à la phase de co-construction. Il faut aussi que ce projet de méthanisation il ait une identité, un véritable projet qui soit partagé à la fin de cette phase d'émergence. Phase d'accompagnement qui est vraiment la co-construction du projet, où là on va rentrer vraiment dans la phase d'étude de faisabilité, où on va construire avec l'agriculteur sur la base de ce projet une unité de méthanisation. Et on s'aperçoit que forcément les unités de méthanisation sont différentes d'un projet à l'autre, parce qu'on a bien sûr des hommes différents, mais on a aussi un territoire différent et un projet différent, des postulats différents. Et donc là, on va en fait faire des visites, on va aller voir, ce qui nous permet de voir ce que l'on veut, mais aussi des fois ce que l'on ne veut pas. Donc on a vraiment cette phase d'accompagnement très fort qui a pour objectif, in fine, d'arriver à définir si sur ce territoire, sur la base de ce projet-là, on peut partir vers une unité de méthanisation ou si par contre, parce que ça peut arriver, on ne va pas partir vers un projet de méthanisation parce qu'économiquement c'est difficile. Il y a des biais qui font que le Conseil Chambre d'Agriculture permettra d'aboutir à la conclusion de ne pas faire. L'objectif c'est quand même de faire, mais c'est de faire dans les meilleures conditions possibles. Savoir et ce qui est important, c'est que pour nous, en tout cas dans notre concept de méthanisation, l'unité de méthanisation, ça, c'est une machine, et uniquement une machine. Et cette machine, elle doit être au service du projet. Et c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête par rapport à notre façon de travailler. Il n'y a pas de machine préétablie, c'est vraiment le projet et l'ADN du projet qui va définir la machine. Si le postulat, c'est de ne pas avoir de digestat liquide sur une unité de méthanisation, on va aller chercher des machines qui nous permettent d'arriver à cet objectif-là. On n'a pas des dossiers, des unités standards, reproductibles. Encore une fois, c'est le projet qui fait la machine.